La femme d'un homme est celle qu'on épouse à la mairie. À la mairie. Yo, est-ce que l'été est bio? Yo,
Yango wana, comme papa persali longue route, grand déplacement de l'Italie jusqu'ici, ayaki pona Melissa. Donc papa yabaye, ma pesibi sur enveloppe, ma pesibi sur babiloko to bombi. Ce qui pensa, on dit que date à l'élo Melissa, papa y est, pour la visite à la famille, y est, na, tina na yon Melissa, enveloppe na simbis, na pensio yango. Et après, vers Oyo, ils allaient goûter à papa. Ce qui ont dit, mi, tata ou la femme dit qu'on a papa Aristote, na pensio mon compagnon. Ok, de vous pensez à papa, on dit ça y est, Oyo, yosa ou kata, on a moins de compagnon. Merci. Tout ça va te mettre au yoka. Je prends cet argent, mais il représente quoi? Il vient de qui et comment je peux le considérer? Aristote Congolais. Que tu as accepté pour toute ta vie. Et je peux être satisfait dans cet argent sans que je ne sois plus jamais interpellé un jour que j'avais dû faire de l'argent indigne. Non. Voilà, comme à l'accoutumée, papa a mis enveloppe à papa Aristote. Mais il s'est papa vers Amélie. Si vous avez devoir, il y a papa. Il y a un Amélie, pas enveloppe. Et où t'as qui tout ça, c'est le couloir pour le papa. Libéré. C'est bon, maman, c'est bon, après c'est passé. En fait, je quitte, maman, on va en aller. Viens, Aristote. Aristote, sort de là. Parce que papa, il ne pourra pas arriver là. Je passe. Achetez. Mets ton français. Oui. Je te donne la main de ma fille. Espace. Avant la main. Ah, papa. Seigneur, je vous ai unis aujourd'hui, puisse être toujours votre compagnon tout Amen. Au long de votre vie. Amen. Et si vous êtes avec lui, je crois que tout ce que vous entreprendrez sur cette terre sera une réussite totale. Amen. C'est dans cette perspective que moi et la maman de Melissa, nous sommes jusqu'à ce jour unis. Nous sommes heureux de pouvoir aujourd'hui passer le flambeau à Aristote. Qui doit prendre le bâton de pèlerin pour conduire Melissa vers des destinées meilleures. Je vous souhaite une fructueuse union conjugale, que le Seigneur qui a si décidé puisse être votre soutien dans tout ce que vous allez entreprendre. Amen. Et nous ne vous laisserons jamais, parce que nos prières vous accompagneront toujours, et nous prions toujours à tout moment, si cela est nécessaire, venir à votre rescousse parce que vous êtes tous nos enfants. Amen. Aristote, vous devez nos enfants savoir que vous êtes entré dans ma famille et vous restez ma fille, mon fils, au même titre que Melissa. Voilà Melissa qui est ta sœur. Tu la prends pour que tu puisses vivre avec elle, pour créer une union qui pourra être féconde. Que Dieu bénisse votre union et que tous les témoins qui sont ici présents
soit le véritable témoin de l'événement. Amen. Pardon, pardon. Aussi à nos parce que nous existons. Et quand nous avons un problème, nous n'avons pas pour faire écho, pour que vous le savoir. Ça, c'est une création de Dieu. Le mariage, c'est le premier sacrement que Dieu a créé. Donc, lorsqu'on l'accomplit, c'est déjà une bénédiction. Donc, nous allons encourager les jeunes gens à pouvoir aller de l'avant. Je suis heureux de vous voir ici à Paris. Moi, je suis à Rome là, depuis l'accident. Je suis un autre voyageur. Je ne sais pas si demain je serai encore à Rome. Mais partout où je serai au monde, que ce soit au Congo, nous serons toujours en contact. Bon, Papa Nzonzi, nous avons ici lui à chaque collègue, okay. Tous les jours, selon les bonnes manières des Jésuites, okay. D'où nous venons tous les deux. Okay. Merci Ming, mon ami, sur le Kawa. Maintenant, on a évité tout le monde, 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 tout Donc, tout le monde, merci Mingi. Surtout merci à papa pour ça, les grands déplacements de l'Italie vers ici. Pour ça, nous avons ma casse, dès les routes, nous avons un nous avons la solution à l'homme, nous avons la France. Donc, merci à papa, venir à Yéna, les tournées. Nous allons accompagner, nous sommes bien pas les arcs. Merci papa Biocho, papa introduit aux ambassadeurs. Merci à mes parents. Vraiment, ils ont mis Kumba facilité à gérer. Vous voyez, la jeunesse, ils ont obstacle belé. Monsieur, vous êtes à la bamote de l'extérieur. Donc, vraiment, il faut pas à la penza bien droit, dans l'encadrement, dans le bisonnius, dans la prière, dans le bisonnius. Parce que ce n'est pas facile dans la jeunesse. Parce que tous les jours, dans le tribunal, au moins, dans l'année Moko, 155. Alors, nous sommes venus pour être l'aide de l'Église, pour voir ce qui se passe sur le plan coutumier, parce que le vrai mariage commence par la coutume, et nous allons le sceller sur le plan religieux. Amen, hein? Amen. C'est pourquoi nous sommes là, en tant que les deux responsables du centre de messe rituelle où Mélissa prie, et nous voudrons qu'elle puisse aller avec le bon Dieu partout et voir être avec son mari, que son mari ne puisse pas lui empêcher de ne pas prier. Notre souci, c'est quand la personne connaît la parole de Dieu, puisqu'on dit que le commencement de la sagesse, c'est à partir de la connaissance de la parole de Dieu. On ne dit pas que la sagesse devient avant la crainte de l'Éternel, commence par la connaissance de la parole de Dieu. Et la sagesse même commence par là. Donc, si on ne suit pas la parole de Dieu, ça pose énormément de problèmes dans le foyer. Parce que tout est réglé dans la Bible. Et c'est pourquoi nous souhaitons que notre Dieu puisse au moins parachever leur chemin de mariage jusqu'au bout. On se marie pour le pire et pour le bien. On ne se marie pas pour aujourd'hui il y a les sourires. Demain, ça peut avoir de petits problèmes au sein de couple. Mais il faut que vous sachiez bien que même nous qui vous avons mis au monde, on a eu beaucoup de patience. Et si vous voyez le papa avec la maman, ils sont arrivés à cet âge, avoir des petits-fils,
ils ont beaucoup supporté. Ce n'est pas qu'on manque de problèmes, on a toujours des problèmes. Donc le mariage, c'est une grande charge. Donc nous vous souhaitons bon succès dans votre mariage. Amen. Mais nous vous demandons que vous mettez Dieu avant toute chose. Amen. 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 Hein? Amen. Comme vous avez demandé de prier, on prie pour tous ceux qui nous a aimés ici. Nous demandons à Seigneur aussi de pouvoir nous se protéger. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, pour le moment, nous ne faisons que te remercier parce que tu as accompli la mission de deux enfants, Mélissa avec Aristote, et qu'aujourd'hui, les deux familles se sont réunies et se connaissent. Et nous, des relations, toi, Seigneur Dieu, nous voudrions, Seigneur, que ceux qui sont venus dans ce lieu puissent aussi retourner avec cette joie et qu'ils soient protégés comme ils ont été protégés sur le chemin du départ. Nous voudrions, Seigneur, que tout ce que nous allons prendre dans cette maison, nous le prenons avec joie et avec ta bénédiction. Que tu nous accordes ta grâce, parce sans ta miséricorde, nous ne pouvons rien. Si nous avons aujourd'hui, nous sommes réveillés, le souffle de vie, nous l'en avons. Parce que tu es Dieu de justice. Tu es le soleil brillant du matin. C'est pourquoi nous te reconnaissons que tu sois notre Dieu et que tu sois avec nous et que tu demeures avec nous. Même si nous faisons des défauts, nous faisons des erreurs dans la vie, nous voulons, Seigneur, les recourir à toi. Que soit tu puisses, toi, tu es juste, que tu puisses réparer ce que nous sommes incapables. C'est pourquoi, Seigneur, nous reposons toi en toi pour que tu le bénisses au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, je m'appelle Kétia, d'ailleurs je suis célibataire. Je suis très heureuse d'être ici pour les mariages de ma sœur Mélissa et de mon beau-frère Aristote. Je les souhaite plein de bonheur, plein d'enfants, plein de bonnes choses dans leur vie. Mélissa est une fille très bien et ça tombe bien, elle est tombée sur un garçon très bien, notre frère Aristote. J'ai béni le Seigneur pour leur couple et gloire à Dieu. Donc merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis votre protocole. Merci beaucoup pour tout. Je remercie le Seigneur pour votre couple, pour les mariages et pour tout. Donc mes frères, ma sœur Mélissa et mon frère Aristote, je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses, plein d'enfants. Voilà, merci beaucoup. C'était votre sœur Kétia Kouto. Mon adresse email c'est ketiakouto@gmail.com. Bisous. Bon bah alors, je remercie tout d'abord premièrement la famille de notre sœur Mélissa qui nous a permis aujourd'hui qu'on puisse être dans ces lieux. Donc c'est grâce à elle déjà qu'on se retrouve ici. Je me présente, je m'appelle la sœur Angela. Je suis la secrétaire de la jeunesse du Centre de réveil spirituel de Paris. Donc voilà, on nous retrouve ici grâce à notre sœur Mélissa qui se marie aujourd'hui. Je suis très très contente, je suis très émue. Donc voilà, et on se retrouve aujourd'hui pour notre événement de notre sœur Mélissa. Je remercie les bons dieux qui a permis encore qu'on puisse se retrouver en ces lieux, qu'on puisse se retrouver nous et nos sœurs. Donc voilà, je suis très très contente, je suis très très émue. Donc voilà. Je remercie encore notre équipe, nous sommes toujours soudés, unis et on se retrouve encore en ces lieux, c'est toujours pour rendre gloire à notre Dieu et voilà, merci, merci beaucoup, au revoir. Bonjour, je m'appelle Plamidji, je viens de remercier la sœur Mélissa et son fiancé, frère Aristote, de nous avoir invités, nous sommes très heureux d'être là. Je tiens vraiment à féliciter ma sœur parce qu'elle nous ouvre la voie, surtout à nous, notre groupe de jeunesse, notre église. Et je remercie le Seigneur de nous avoir bénis ainsi. Donc voilà, ma sœur, je te souhaite tout le bonheur du monde. Que Dieu t'accompagne, qu'il vous accompagne sur le long chemin, que surtout ce n'est pas la fin, c'est que le début. Soyez très heureux, que Dieu vous bénisse abondamment. Sachez qu'on vous aime énormément et que ça nous a surtout fait énormément plaisir que tu nous aies invités à ce moment si important pour toi. Et sache qu'on t'aime énormément, que Dieu vous protège vraiment et des gros bisous. Mouah!
la bonne musique. Ne vous trompez pas d'adresse. La bonne musique, les Alaranamou et Papa Chéri. Tindoki, la bonne Zambé, Katina Nkolo. Sandra Boaboa, la duchesse. Boni Boni Basango et Jimmy Kabondo. Serge Kassanda et Femi. Chanel Chabagne, l'ami du président Zuma. Elle a tout pour elle, Claudia Sassou et Kia. Honorable Patrick Bologna, 8e merveille. Est-ce que vous avez 5 euros d'opinion de rechange? Ma bombe à mon offre. Les leaders de Chicapa, Maître Jean-Pierre Chima. JCK, Kabongo, l'homme de Matignon, administrateur Mathieu Mbumba, Gentilly Mbaka, Ngobila. Lamborghini. Yo. Banda Pumbi.
Je suis très contente en fait pour toi Mélissa. Ces messages, elle est vraiment pour toi. Comme tu peux le voir, ma voix elle est un peu partie, mais c'est pour toi que cette voix elle est partie. Je suis contente en fait pour ton mariage. Je te dis merci et laisse que Dieu te bénisse et qu'il bénisse ton mariage, toi et ton mari. Franchement, félicitations à toi et à Aristote. Je suis très très contente pour vous de vous voir jeune, engagée pour le mariage. C'est pas pour tous, enfin, c'est pas fait pour tout le monde cet engagement, voilà. Et nous sommes là, t'inquiète pas, toute une équipe. Donc, as you can see, Team Bride, ok? We are here for you, ok? Let me say in English for those who hear in English. So, je suis pas trop en anglais, mais voilà, c'est un effort, quoi. Et donc, voilà. Vraiment, j'ai pas de mots, carrément, j'ai pas de mots. Je dis vraiment merci à Mélissa, à toi de nous faire cette confiance, d'avoir cette confiance en nous pour venir dans ton mariage et être comme protocole. Voilà, je suis protocole, chérie protocole, t'inquiète pas. Donc voilà. Et gros bisous à vous, des bénédictions, tout, voilà. Vraiment, I love you. I love congratulations, guys, for your couple and you know. Matt Kiss. Bonjour, alors je suis Divine Couteau, je suis protocole de Mélissa, comme vous pouvez bien le voir, je suis membre de sa Team Bride. Premièrement, je tenais à remercier Mélissa pour l'invitation, pour cette considération. Et puis deuxièmement, je tenais à vous souhaiter mes vœux de bonheur à mon beau-frère Aristote, toutes les bonnes choses à vous. Je suis désolée, je ne suis pas trop fort en discours et tout comme ça, j'essaie juste pleurer parce que là, je suis déjà émue. Je suis très très contente pour toi, ma sœur Mélissa, que Dieu vous bénisse, que vous allez loin. Et puis, j'ai trop hâte à être au samedi. Et voilà, je me présente, Gilbert Couteau, je suis le porte-parole du président de CRS Paris. Donc avant tout, je commence déjà à remercier notre Dieu Tout-Puissant d'avoir, de vivre ces moments si merveilleux de notre sœur Mélissa et son mari Aristote. Donc je suis tellement fier d'eux, Mélissa, ma sœur. Je te souhaite tout le bonheur du monde avec ton mari, que Dieu puisse vous donner beaucoup d'enfants et tout, au nom de toute la jeunesse des CRS Paris. Et qu'on est vraiment fiers de toi et tu nous as vraiment motivés, tu nous as montré que non, on doit faire un truc qui peut-être qu'on n'imaginait pas au fait. Allora. Et oggi che dobbiamo festeggiare per la mia sorella, la bellissima. E sappia che io ti amo tanto e la vostra coppia è per me una coppia molto molto magnifico e io ti felicito e ti dico solo che Dio ti benedica e vai in avanti nella tua vita e anche il tuo marito e oggi dobbiamo festeggiare, non c'è niente da dire, grazie.